Et bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode un peu spécial, on va dire, de RPG Maping, dans le sens où nous ne sommes pas aujourd'hui sur Dungeon Painter Studio, mais sur Roll20. Alors Roll20 c'est quoi? En gros, Roll20 ça constitue la deuxième... Enfin aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la deuxième étape de ce fameux projet de jeu de rôle que je suis en train de mettre en place. Pourquoi du comment de comment maintenant? Je l'avais expliqué pour ceux qui avaient suivi la série sur RPG Maping que la première étape de mon projet consistait à apprendre à maîtriser un logiciel qui nous permettrait de créer des cartes pour un jeu de rôle. La deuxième étape, évidemment, après avoir compris comment créer des cartes et avoir pris en main ce logiciel-là, c'était bien évidemment de pouvoir, d'utiliser, de comprendre un logiciel qui lui permettrait pas seulement de pouvoir créer des cartes, mais surtout de pouvoir en fait créer tout simplement des parties de jeux de rôle. Donc en gros, vous allez voir, c'est très simple, c'est un logiciel qui va permettre de simuler une sorte de partie du jeu de rôle. Je sais très peu comment il marche, j'ai une idée du principe du jeu, mais dans les faits, je ne sais pas quel est son fonctionnement précis. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui découvrir. Donc je ne sais pas si c'est un épisode qui sera considéré comme dans RPG Maping, ou si c'est un épisode qui est hors série, ou si c'est un truc qui est à part, mais en gros, si vous voulez voir un petit peu comprendre un peu quel est mon projet de jeu de rôle, allez voir la série qui s'appelle RPG Maping, et salut Wilfried qui est dans le chat. Wilfried Wister, je sais pas. C'est vrai que vous avez tous des choses différentes, c'est insupportable. Donc voilà, allez voir cette série-là, RPG Maping, il y a pour l'instant 4 épisodes dessus. Je pense que c'est une série qui aura vocation à être continuée, mais pour d'autres choses, pas forcément pour la phase tuto. Donc là aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire un tutoriel sur Roll20 pour qu'on comprenne ensemble comment marche ce logiciel. C'est donc, comme je l'ai dit, la deuxième étape de notre projet. Et voilà, ça devait arriver, jeu de rôle. Sachant que les prochaines étapes, après ça, ce sera de créer directement une partie de jeu de rôle, en fait, de reprendre les étapes 1 et 2, pour en fait, les assembler et faire un jeu de rôle, et faire un test de partie de jeu de rôle. Voilà. Donc ça, c'est pour après, mais pour l'instant, pour le moment, on va essayer aujourd'hui de comprendre comment ça marche. Non, j'ai dit, moi, c'est Wister, pour que tu te rappelles de moi. Ok. Très bien, bah écoute, bonjour à toi Wister, que je connais évidemment depuis un moment maintenant. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, je ne sais pas si en 40 minutes j'aurai bouclé ou pas la phase tuto, je ne sais pas s'il me faudra 1h30, 5h, j'en sais rien du tout, mais considérez que c'est la deuxième étape, on va dire, de notre projet. C'est notre projet, évidemment, Emmanuel Macron. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? En gros, vous allez voir, je ne sais pas si ça sera dans le titre ou pas, mais en gros, aujourd'hui ça ne va pas être un tuto, ça va être un tutodidacte. Alors, tutodidacte, c'est un mot valise que je pensais avoir inventé. En fait, il existe déjà, il y a des sites qui l'utilisent comme nom. Mais en gros, un tutodidacte, c'est quoi? C'est un mélange entre tuto et autodidacte. C'est-à-dire qu'en gros, on va apprendre à maîtriser le logiciel, donc la phase tuto. Alors, je vais vous apprendre, en tout cas, on va apprendre ensemble à... Non, je vais vous apprendre, voilà, la phase tuto, c'est je vais vous apprendre à utiliser le logiciel. Et la partie autodidacte, c'est qu'en gros, moi, je vais apprendre tout seul et que j'ai aucune idée de comment ça marche pour le moment. Donc, en gros, je vais apprendre en même temps que vous. C'est ce qu'on appelle un tutodidacte. C'est très simple, c'est magnifique, comme quoi la langue française permet de cacher de belles surprises. Donc, ce soir, nous allons apprendre dès maintenant comment fonctionne ce logiciel, et c'est pour ça que je dis que je sais pas combien de temps ça va prendre, puisque je ne sais pas en combien de temps est-ce que je vais pouvoir maîtriser Roll20 et en combien de temps je vais pouvoir vous montrer toutes ces possibilités, sachant que je vais forcément, vous en doutez, passer à côté de certaines de ces fonctionnalités, mais ce n'est pas grave puisque nous reverrons ça en détail quand nous entamerons les vraies parties de jeu de rôle. Et c'est extrêmement bien puisque je me rends compte que j'ai réussi à ne pas bégayer en faisant mon explication, ce qui est quand même assez rare parce que j'ai pris mon temps. Alors, Roll20, donc déjà pour faire un petit peu le contexte, c'est voilà, comme j'ai dit, un logiciel qui est assez connu dans le monde du jeu de rôle en ligne, puisque c'est un des logiciels les plus utilisés par les rôlistes, on appelle ça les rôlistes, sur internet. Et donc, voilà, c'est un, vous allez voir, en gros, c'est un logiciel dans lequel on va pouvoir importer des éléments, notamment des cartes, des personnages, et simuler une sorte de partie de jeu de rôle. Et notamment, l'intérêt principal de ce logiciel-là, c'est de pouvoir y jouer à plusieurs, donc de jouer en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez votre carte et tous les gens qui seront connectés à votre partie pourront eh bien, jouer en même temps que vous. Là, par exemple, vous voyez, il est marqué « Trouver un groupe », et bien c'est très simple, c'est que vous pouvez rejoindre un groupe de gens qui est en train de jouer à une partie de jeu de rôle. Donc l'idée, ce serait par exemple qu'à terme, on puisse inviter des gens sur une partie
sur Roll20 et qu'ils puissent jouer avec nous sur ce, sur sur les parties de jeux de rôle que l'on a créé. Voilà. Donc, comme je dis, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je pense que la première étape, c'est la partie logiciel, enfin tutoriel, pardon, pas logiciel, tutoriel. Si vous voulez savoir comment s'appelle le logiciel, simplement, c'est Roll20 et c'est écrit en haut à gauche. L'écran est légèrement étiré pour que ça soit propre, etc. au cadre. Voilà, non, il est totalement gratuit, Wilfried, Wolfram Vister. Je ne sais pas s'il existe une version payante, mais vous voyez qu'ici, il y a une pub qui dit en gros « support Roll20 » pour l'aider à son développement, etc. Donc vous l'aurez compris qu'en gros, ce sont des logiciels qui sont gratuits, mais... Enfin, c'est pas des logiciels, c'est plutôt une application web, on va dire ça. Un logiciel web qui est gratuit, mais du coup c'est parti du financement participatif. C'est qu'en gros t'es pas obligé de payer, mais si tu décides de pouvoir d'aider au développement, tu peux faire des dons, comme sur Star Citizen ou même comme d'ailleurs sur l'ancienne version de Dungeon Painter Studio, voilà, qui était Dungeon Painter tout court. Donc là voilà, là on voit qu'il y a 3 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même beaucoup. On a un wiki, donc si jamais il y a un problème, on pourrait utiliser le wiki sans problème. Et il y a évidemment des solus. Mais moi j'ai des tutos en ligne sur YouTube, c'est normal, hein, c'est un truc qui est très utilisé, donc forcément il y a des gens qui font des tutos dessus, c'est, je commence à bégayer, ça devait pas durer. Donc voilà, si besoin, on ira voir des vidéos, mais aujourd'hui vraiment ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre ça ensemble. Voilà. Donc on va commencer, alors je vais juste vous lire un petit peu le début, donc... Voilà, donc vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit, voilà, j'ai appelé Zoldé. Et Zol, bienvenue, donc c'est en fait, mon nom c'est Zol Dru, voilà, c'est parfait. Je voulais lire un petit peu ça ensemble. Bienvenue dans Roll20 Zol Dru, si vous voulez apprendre à utiliser Roll20, jetez un coup d'œil au tutoriel qu'on va faire du coup juste après, également disponible depuis le menu déroulant partie en haut de la page. Si vous souhaitez rejoindre une partie en tant que joueur, vous voudrez probablement consulter les... Alors de base le site est en anglais, d'ailleurs la pub est en anglais, vous le voyez, mais il y a un outil qui permet de... Enfin, il y a une traduction, il y a beaucoup de langues qui existent, donc si jamais les traductions sont un peu hasardeuses, c'est pas grave, c'est normal. Donc si je télécharge, je peux créer mon jeu de rôle, etc. si j'ai bien compris. Exactement, voilà. C'est bien où Wister m'aide à faire comprendre des choses, à faire avancer le débat, merci à toi. Donc c'est même pas à télécharger, c'est, tu tapes Roll20, c'est un site web en gros, c'est carrément un site web en fait. Et je sais pas s'il y a une version, je crois pas qu'il y ait de version téléchargeable qui existe, je crois pas qu'il y ait une version logicielle. Mais voilà, donc c'est tu peux créer ton jeu de rôle, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, dans la limite évidemment du raisonnable et comme on va le voir après. Donc d'ailleurs du coup on avait dit donc partie, voilà, on peut démarrer une nouvelle partie, trouver un groupe à partir des joueurs, tutoriel. Et voilà, donc en gros ça c'est les 4 étapes, etc. Si vous voulez du coup lancer la partie, pressez le gros bouton bleu, démarre une nouvelle partie ci-dessus pour commencer. Ça on le fera à la fin, juste pour voir, mais déjà je pense que rien que de faire le tutoriel ensemble, ça va déjà ouvrir, enfin, ça va déjà tout nous faire comprendre, et je pense que juste faire le tutoriel aujourd'hui, il suffira largement à qu'on comprenne comment ça marche. Évidemment, sauf que vous verrez, mais il y a une petite spécificité sur le tutoriel qui va être très marrante. Si vous êtes un maître du jeu débutant, où vous voulez apprendre Donjons et Dragons 5ème édition, regardez la réserve du maître, nos modules payants, donc ça c'est pas été traduit, mais en gros voilà, fait partie des univers de jeux de rôle les plus connus de Donjons et Dragons, donc voilà. Trop bien, et tu vas en créer un plus tard, on pourra jouer ton jeu de rôle, effectivement c'est ça le but, parce que du coup t'étais pas là quand j'avais, voilà, je réexplique vite fait, mais voilà, le but à terme c'est que je puisse créer mes propres parties de jeux de rôle, avec mes scénarios, mais tout ce qui est scénario, règles, etc., vous pourrez évidemment avoir une incidence dessus, vous pourrez me donner votre avis, on pourra faire des sondages, enfin ça pourra être cool. Et l'idée c'est que j'invite des gens pour pouvoir y jouer, donc ça peut être des amis, ça peut être des gens du chat, enfin ça serait, voilà, c'est à terme ce qu'on veut vraiment faire, mais bon, pour l'instant allons-y doucement, soyons en mode tutoriel. Enfin, donc ça voilà, ça c'est en gros si on veut apprendre, etc. Donc, si vous connaissez, ça on n'avait pas lu, mais en gros si vous connaissez déjà des personnes ayant créé une partie, donnez-leur votre adresse email, etc. etc. Donc là voilà, on a créé une campagne, etc., donc on a un tuto, voilà, de cette vidéo, donc... On pourrait regarder, mais non, pas du tout. Si vous vous retrouvez bloqué, vous avez la moindre question, merci de consulter notre site d'aide et de documentation, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est le type de logiciel de site où il y a une grosse communauté active sur les forums, notamment pour aider les joueurs ou pour parler entre eux. Donc c'est ça qui est vraiment bien, en tout cas, sur ce genre d'outils. On a une boutique. Alors la boutique, si j'ai bien compris, en gros, ça permet de... C'est comme sur Dungeon Painter Studio, en fait, ça va nous permettre, on va regarder, mais en gros, d'acheter...
Là, je crois que c'est payant par contre, peut-être pas toutes, mais on va pouvoir acheter, voilà. On peut acheter des trucs, des packs en gros qui vont nous permettre de jouer à des jeux de rôle particuliers. Par exemple, voilà, on peut acheter le pack Mansion of Mystery, et en gros, on aura, je pense, plein de cartes, etc. Donc ça, c'est cool d'avoir une petite boutique, parce que tu peux te dire, par exemple, bah, j'ai envie d'aider les gens qui font du Roll20. Alors, après, je sais pas si c'est le Roll20 qui gagne de l'argent par rapport à ça, ou si c'est les gens qui mettent en ligne des trucs qui gagnent de l'argent. Je pense qu'une petite part revient à Roll20 comme beaucoup de choses, donc voilà. J'adore les tutos, mais écoute, c'est très bien, nous sommes là. Oui, je me rappelle quand tu avais ton projet de jeu, tu en parlais sur Sonic. Oui, ça fait longtemps que j'en parle, donc maintenant c'est bien, c'est commence à être mis en place. Donc voilà, donc là, il y a une petite boutique très sympatoche, donc ça peut aider un peu les gens aussi qui créent des trucs. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, réserve de personnages, Roll20 pour iPad et Android. Ah, il y a une version iPad et Android, alors bon. Bon, en l'occurrence, je joue jamais sur mobile, donc que ce soit n'importe quel jeu. Donc, du coup, ça, je m'en fous un peu, mais du coup, le compendium, je sais pas ce que c'est. Votre système prend vie. C'est peut-être un moyen de mettre en ligne ses propres trucs, je sais pas du tout. Ça va être intéressant de voir ça. Et voilà, du coup, on est parti. Donc, je pense que le seul truc qu'il y a à faire, c'est. On pourrait carrément ne pas faire le tutoriel et le démarrer une partie, mais je pense que ce serait peut-être trop bordélique et je préfère quand même faire les choses dans l'ordre. Donc, on va faire le tutoriel. Et vous allez le voir maintenant, c'est que, eh bien, il est en anglais, évidemment, c'est ça qu'on apprécie. Donc voilà, donc là on a le chat qui a, si j'ai bien compris, qui est à droite. Donc là en fait je vous explique comme si j'avais compris. En fait je découvre en même temps que vous, mais voilà, j'ai déjà un tout petit peu vu le truc, donc voilà. Tu connais Unreal Engine? Évidemment, je connais Unreal Engine. C'est un moteur de jeu qui permet en fait de créer, un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo comme Unity. Enfin, les deux plus connus sont Unity et Unreal Engine. Sachant qu'il y en a d'autres, évidemment, c'est pas les seuls, mais voilà, c'est les deux plus connus. Notamment chez les petits joueurs, etc. Chez les petits créateurs. Alors, donc voilà, ça c'est la phase tutoriel, donc ça très très bien. Voilà, la carte du jeu qu'on peut, comme sur Dungeon Painter Studio, bouger. Des cubes, des machins et tout. Ok. Bon, on est parti, donc je vais du coup devoir traduire en même temps, en temps réel, donc ça va être un peu galère, mais bon. On fait ce qu'on peut. Bienvenue dans Roll20, la manière gratuite, la manière la plus facile et la manière la plus gratuite de jouer à des jeux de rôle en ligne. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est gratuit. C'est vrai que c'est fou que ce soit gratuit quand même, ça c'est assez chaud. Merci, Wispot. Alors, on est parti. Donc ça, du coup, c'est la Virtual Tabletop, donc du coup la table de jeu virtuelle, ou la VTT. Et on va du coup découvrir les Basic Tools, donc les outils basiques pour... que vous avez dans votre free Roll20 account. Donc moi je pense qu'en fait ils insistent beaucoup sur le fait que ce soit gratuit. Alors je sais pas si ça sous-entend qu'il y a une version premium de votre Roll20, ce qui est totalement possible et ce que je plus sois. Et je pense que si jamais j'utilise beaucoup, je pense que j'achèterai la version payante en fonction du prix évidemment. Je vais regarder dès maintenant, est-ce qu'il y a boutique, nouveauté, offrir un cadeau. Est-ce qu'on peut... Enfin j'ai à voir sur mon compte perso, mais... Bon, on se part, on ira voir ça après, mais bon, suivant le tuto déjà, c'est plus important. Donc voilà. Alors, si tu veux sauter différentes sections, tu peux ou commencer à un autre endroit du tutoriel, tu peux cliquer sur le menu, effectivement. Alors, à tout moment. Alors, tu es logué en tant que Game Master, donc maître du jeu. Cela te donne le total contrôle de l'application du site. Ça va te permettre en fait de voir absolument toute la partie. Ce qui est normal, c'est en gros quand tu es un maître du jeu, tu as tout le contrôle absolument sur tout. Donc tu peux voir en fait certaines choses que les gens ne verront. Que le joueur ne verra pas. Je suis un petit bug. Donc voilà. Je traduis pas mot pour mot, hein. Je lis et après j'essaie de traduire en temps réel. Voilà. Donc voilà, en gros les joueurs sont restreints en termes de vision. Et c'est à nous de décider ce qu'on leur montre ou pas dans ce logiciel. C'est un bot. Oui, c'est un bot. Wastebot, c'est un bot en gros qui te. Toutes les 20 minutes, toutes les 15 minutes, où il annonce que le stream vient de commencer. Alors, la table virtuelle, du coup, c'est l'espèce de grand rectangle avec des grillages. Enfin, la zone avec des rectangles, des petits carrés blancs. Et du coup, c'est là que va se dérouler la majeure partie de Roll20. Par défaut, les joueurs. Peuvent voir mais ne peuvent rien contrôler sur ce qui est situé sur la table virtuelle. Donc du coup c'est à nous de décider si on leur donne ou pas l'autorisation de bouger tel ou tel élément. La table virtuelle est uploadée
Oui, non, pas uploadé, et mise à jour en temps réel. Donc en gros, il n'y a pas de edit play mode. En gros, si tu modifies un élément, la personne qui est en ligne le verra sur la carte. C'est très simple. Est un système agnostique. D'accord. Alors agnostique, qu'est-ce que ça a rapport avec agnostique du genre... Attends, meaning. Donc ça veut dire qu'en gros... D'accord, en gros ça veut dire que tu peux jouer de n'importe quelle manière, de façon que tu... En gros, agnostique dans le sens où je pense que ça veut dire que c'est neutre. Alors attends, du coup, il y a ma caméra qui bloque. Donc je vais l'enlever. C'est agnostique dans le sens où ça veut dire en gros que c'est universel, quoi. Je pense que c'est dans ce sens-là. Alors, le premier outil que tu vas devoir examiner, c'est la Toolroom. C'est la Drawing Tool. Alors d'ailleurs, je pense que je vais... En fait, je vais pas cacher mon truc. Je vais tout simplement bouger. Je vais bouger mon chat Twitch. Hop. Donc je vais faire ça. Voilà, je bouge un petit peu. Je bouge aussi ma caméra. Histoire que ce soit pas trop trop caché. Voilà. Je vais bouger ma caméra. Voilà. Histoire parce que ça serait chiant après s'il faut si je peux même plus hop si j'ai oublié si j'oublie de cacher à chaque fois ça va être un petit peu chiant et du coup le fond web pareil on va faire la même chose donc désolé c'était l'imprévu hop mais autant le faire maintenant hop voilà bonsoir comment allez-vous avec cette magnifique ce magnifique fond qui passe devant moi voilà c'est bon on est bon ok petit contretemps je suis à vous. Alors le premier truc du coup que l'on va regarder ensemble, c'est la Drawing Tool. Donc la Drawing Tool, du coup, les outils dans tout ce qui concerne le dessin. Enfin le dessin, la dessin de forme, etc. Donc clique sur ça et tu vas utiliser forme de VTT Toolbox pour continuer. Ok, donc du coup je vais prendre ça, je vais prendre dessiner forme. Attends, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ok, donc c'était ça en fait, c'était le truc à dessin main libre. Donc voilà, tu as sélectionné du coup la freehand dessin en main libre, qui est du coup l'option de base pour dessiner des objets. Des objets, enfin des voilà, bon, for drawing tools, pour la boîte d'objets. Donc tu peux cliquer absolument partout et tu vas du coup créer un truc. Voilà, du coup là ça crée un point. Je pense qu'on peut évidemment dessiner comme un gros bourrin. Du coup, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Ou en gros, tu vas pouvoir en fait modifier des trucs. Donc, je pense par exemple la taille du truc. Donc, exemple, si je fais très grande, voilà, ça fait un trop gros, très très gros truc. Où je peux changer la couleur, mettre plusieurs couleurs différentes, effectivement. Donc, voilà, next. On a compris. Alors maintenant, la ligne de couleur qui est en bas à gauche, la ligne en bas à gauche est la couleur par défaut de ton joueur, et elle peut être changée à tout moment en cliquant sur la couleur qui est juste ici. Donc là, je vais mettre un petit bleu, voilà, un petit bleu, next. Alors, le dessinateur de forme est un truc à permettre de créer. Bon, ça c'est très simple, on a très bien compris. Dessiner une forme. Voilà, j'ai dessiné une forme, j'ai dessiné un carré, sachant que je pense que je peux lui mettre en gros ça. Donc c'est-à-dire qu'en voilà, en gros ça va créer ça c'est les contours et ça c'est le remplissage. Ok. Comme beaucoup d'autres outils, la dessinateur de forme, enfin le dessin de forme, peut avoir différentes fonctionnalités et en cliquant sur Shift. All keys. Donc en gros, je pense par exemple, voilà, si tu cliques sur Shift, ça va te permettre de créer, de faire un truc comme ceci. Et si tu fais Alt, ah, oh, d'accord. Et là, ça suit le. Si je fais ça, en fait, ça va suivre directement le coin d'un carré. Ok. Bon, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, les trucs de droite te permettent. Donc, bah, du coup, j'ai déjà fait. Voilà, Alt, etc. Ok, donc ça on l'a déjà vu. Alors, maintenant, les lignes ou les polygones. Donc très simplement. Next. Ah oh, ouais, d'accord. En fait, j'ai cru que ça marchait pas. En fait, si, c'est très bien. Par contre, la musique, tu es parti ou... Ah bah tiens, c'est du Pokémon, parfait. Hop, excusez-moi. Il n'y a plus de musique. Il n'y en a plus rien à foutre. Hop, c'est parfait. Bon, pour l'instant, c'est le truc qu'on connaît déjà. Donc, c'est pas trop un problème. Hit escape. D'accord. En gros, si je fais ça, en gros, si j'appuie sur espace, ça va terminer à une ligne. Ok, parfait. Next. Ok. Donc contrôle plus Z va te permettre de supprimer un truc. Alors, attends, c'est pas contrôle Z. Je viens de créer mon compte. Viens. Non, non, mais je veux pas jouer avec vous maintenant. Là, je suis en train de faire le tuto là. Alors, pourquoi?
pourquoi est-ce que... Contrôle plus Z. Ah, c'est bon. Ok, ça marchait pas. Tu peux changer la couleur de ton polygone avec la toolbox. Alors, le problème, mon coco, c'est que t'es bien marrant. Mais là, je vois rien. Il est sérieux, le jeu? Attends. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je peux pas bouger, donc je suis bloqué, là. Non, mais moi, c'est pour essayer. Oui, mais je vais pas te rejoindre. Alors, les gars, on a déconné. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, écoutez, en fait, le problème, c'est que là, ça a bugué, parce qu'en gros... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, next. Dessiner une forme, machin et tout, next. Je l'ai fait vite fait, voilà, machin et tout, next. 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 Ctrl Z. Hop, escape, voilà. Ah voilà, c'est bon, ok. Ça marchait pas en fait, c'était juste ça. Donc, hop. Ok, du coup, ça va créer un truc comme ceci. Ok. Du coup, c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est le truc de texte. Donc c'est en gros, ça va permettre de créer des textes à la con. Ok. Ok. Donc ça, en gros, ça va permettre de bouger les objets. Très bien. Moi, c'est pour le futur, je viens pas... T'es tuto. T'es en tuto. Ok, bon. Le problème de compréhension de ton vocabulaire. C'est très compliqué. Bon, ok. En gros, tu peux bouger les objets, c'est ça? Tu peux les faire pivoter. Donc c'est comme sur Roll20. Ok. Bon. De toute façon, en soi, vous avez très bien compris que la phase destination finale, excellent film. La phase de dessin, c'est très clairement pas la phase qu'on va... On va très clairement très peu l'utiliser. Donc, de toute façon... Alt key, je sais pas ce que ça fait. Alt key, ok. Donc, voilà. Confirm clear, voilà, je veux tout supprimer, ok. Alors maintenant, ok, on passe à l'étape suivante. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. L'étape de dessin, on la connaissait déjà, donc là. Tu gères quand même en anglais. Bah, pour lire l'anglais, pour comprendre l'anglais, ça va. C'est plus pour le parler que j'ai du mal, mais pour le lire, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Je suis même d'ailleurs, des fois, quand je regarde des documentaires en anglais, je suis surpris de presque tout comprendre. C'est assez, assez bizarre. Enfin, je suis pas du tout habitué, quoi. Parce que pour moi, j'ai un niveau nul à chier, mais en fait, ça va. Ok, donc en gros, là, la librairie, en fait, la bibliothèque d'images, va te permettre, en fait, de chercher des images, de les importer, etc. Donc, Roll20 va automatiquement prendre des images que tu upload. Donc, en gros, on va pouvoir prendre ses propres images et les foutre dans Roll20, ce qui est normal, évidemment. Et aussi les images qui viennent de la boutique de Roll20. Alors, tag the word Archer in the search box. Ok. Et donc là, en gros, on va avoir plein de trucs. Oh putain, c'est énorme! Il y a un nombre de trucs! C'est cool ça! Ok, donc déjà ça c'est très cool. Et ça on l'a pas dans Dungeon Painter Studio. Donc par exemple, je pense que la partie personnage, à mon avis, on va plus... Je pense que Dungeon Painter va vraiment que l'utiliser pour les cartes. Je parle vraiment de l'aspect décoratif, l'aspect environnement. Les personnages, je pense qu'on les ajoutera directement sur Roll20, à mon avis. Donc voilà. Je pense que sinon on les apportera dans Dungeon Painter Studio pour faire des tests, etc. Mais sinon, je pense que pour des façons de manière plus simple, on utilisera les personnages directement. On les apportera directement dans Roll20. Voilà. Du coup, next. Donc en gros, le match se fait en fonction du nom de l'asset. Ok, premier asset with a gold background. Ok, en gros, je pense que si tu achètes les trucs, ça va te permettre d'acheter. Donc là, on peut placer des trucs ou pas? Et voilà. Oh, c'est beau ça. Magnifique. Avec les web résultats, le blue background, when asset from your library. Ok, très bien. Ok. Ça veut dire quoi? Car c'est au-dessus de ton live. Envoyer un cheers maintenant pour être numéro 1. En gros, c'est tu peux envoyer des cheers, donc des dons avec des bits sur Twitch. Et en gros, ça veut dire que tu seras numéro 1. Ton nom sera affiché en haut, quoi. Mais ça, c'est juste si vous voulez faire des dons. Hein, vous n'avez aucune obligation. Ok, asset from your library to open the folder. Ok, the search view button allows you to toggle the way are displayed. Donc en gros, on va pouvoir prendre ça. You can drag an image directly. Donc du coup, on va le refaire une deuxième fois. Alors, quand le grillage est enclenché, l'image va changer ses dimensions pour se comment dire
pour se conformer, voilà, pour rentrer dans le cadre, quoi. Mais on peut utiliser ça, on peut utiliser ça en fait pour changer sa taille. Ok. Enter a new value, enter your box. Donc ça, on verra, c'est pour plus tard. Ok. La Z de premium, donc en gros, on peut acheter les éléments premium. Ok, donc ça, plus tard, si jamais on a besoin d'éléments premium, on va pouvoir en acheter. Donc là, il t'explique qu'en gros, avec plus de trucs, tu peux acheter des trucs. Alors, The My Library, Tab Show, en gros, ça, c'est tout le truc que tu as uploadé. Donc ça, on fera ça plus tard, on testera beaucoup plus tard. JPGN File Format. On va essayer quand même au moins une fois. Tu peux organiser dans ta structure de folders. En gros, il t'explique le truc de base, c'est machin et tout, R2Roll20. Quand tu mets des assets, tu vas pouvoir level différents, pour les mettre à différents niveaux. Ok. Fais attention quand tu supprimes des éléments. Une fois qu'un truc est supprimé, tu ne peux plus du coup le récupérer. Ok. D'accord. Ah, donc le tuto est terminé. Alors du coup on va tester un truc, c'est qu'on va upload quelque chose. Alors je vais juste me permettre de faire ça. Parce que du coup je vais toucher un peu mes fichiers, donc ça va être un peu voilà. Choose a file. Hop, voilà. C'est bon, je vous remets le truc. Excusez-moi. Donc je vais mettre par exemple bah, un des trucs qu'on a utilisé du coup. Hop. Il est ouf. Ok, il est beau. Oula, j'ai la voix qui part en couille. Qu'il est beau le lavabo. Donc on va prendre par exemple eh bien. Ceci, voilà, test carte extérieure qu'on avait pris. Donc là, on va prendre un file. Ok, upload complete. Under your recent upload to web. Ok, très bien. Donc en gros, voilà, ça c'est tous les uploads récents. Et en gros, si je fais ça. Et du coup, notre carte est là. Sauf qu'évidemment, là, ça se conforme. En fait, si on laisse en l'état actuel, je pense qu'on peut changer dans les paramètres. Dans l'état actuel, il va se restreindre à un carré. Quoi. En gros, il va se compresser pour que ça rentre dans un carré. Parce que si j'utilise Alt, je pense qu'il se met directement ici, voilà, comme ceci. Et après, on peut changer la taille du truc. Sachant que là, du coup. Ah, c'est très pixelisé. Non, ça va. En fait, il redimensionne. Donc, voilà. En gros, vous avez très bien compris. En gros, on va importer notre carte ici. Et on va pouvoir, par exemple, foutre ce personnage-là ici. En gros, voilà. Le personnage, ça-là. Sachant que. La question maintenant, ça va être. Voilà, vers l'arrière, et du coup notre personnage est là, il est magnifique. Du coup on peut imaginer qu'il y a un gobelin qui sort de la forêt, etc. et qui nous attaque pendant qu'on est en train de se balader. Voilà. Donc ça c'est le truc de base de Roll20, en gros c'est ça. Hein. C'est comme Dungeon Painter Studio, sauf que il y a d'autres fonctionnalités qui vont permettre notamment les tokens voilà, de faire ceci. Maintenant on va passer à la partie token. Donc, alors attends, du coup on va dégager. Alors les lines que tu... ok. Sont considérées comme des tokens. Il y a un machin. Clique sur ton token et une boîte va apparaître. Alors, Reveal is Radials Menu. Donc, en gros, quand tu cliques sur un token, il va y avoir des menus qui vont s'ouvrir. Donc, là, on a les couleurs. Les trois couleurs, du coup, peuvent être customisées en visitant les settings. Ok. Alors, du coup, les petites bulles, en fait, sont faites pour mettre des statistiques, comme par exemple des munitions ou des HP. Ces stats peuvent être. Ok, character sheet token. Par exemple ici, en gros je vais mettre là. Imaginons par exemple il a 80 PV, je vais le mettre 80. Voilà. 80 PV. Par exemple si tu veux traquer un point, tu peux mettre moins 1 after un hit. En gros il a 80 moins 10 points parce qu'il s'est pris un hit. Donc, voilà. Et après tu peux mettre à jour, etc. je pense. Donc ça c'est en gros pour mettre des petits points. Par exemple tu mets les points de vie ou tu veux mettre les points de mana, etc. quoi. Le menu d'icônes est utilisé pour mettre des effets sur un token. Donc ça, c'est en gros ce qu'il y a effectivement dans l'aventure, c'est qu'en gros tu peux lui mettre des trucs. Donc là, par exemple, tu peux lui mettre une couleur, tu peux lui mettre plein de trucs. Enfin voilà, tu peux mettre plein de choses. Ça pour signifier qu'il est mort, ça pour signifier qu'il est. Par exemple, je sais pas pour dire que lui il est en train de mourir. J'en sais rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Par exemple, si tu veux mettre un état effectivement sur un personnage, donc ça c'est cool. Donc attends, du coup, hop, voilà, je mets un marqueur. Donc par exemple, si tu veux mettre un personnage, par exemple, si tu mets des personnages d'une seule et même équipe, tu peux mettre tous des personnages avec une petite icône bleue, par exemple, pour différencier différents personnages. J'ai 30 minutes de vidéo, putain, ça passe hyper vite. Alors, maintenant, le tokens de setting, ok. Donc là, on peut lui mettre un nom, donc on va l'appeler Zoldru, hop. Contrôlé par, ok.
Ok, like on the name box, click on the field, untie. Donc en gros, si tu veux mettre à jour le truc, tu presses le truc sur entrée. Ok. Dans cette boîte, tu vas pouvoir en fait sélectionner déterminer qui va pouvoir contrôler ce joueur. Donc par exemple, imaginons que j'ai que ce soit que je sais pas, je joue avec Gérard. Par exemple, je peux dire par exemple Gérard va pouvoir contrôler ce personnage. Il y aura que Gérard quoi. C'est que je pense que je vais pouvoir mettre plusieurs personnages, etc. Tu peux set maximum pour un attribut. Alors, en gros, si je veux pas mettre plus, si je veux mettre 80 sur 100 par exemple, en gros, si sa barre de vie c'est 100, en gros, ça veut dire qu'il a 80 sur 100. Donc en gros, sa barre de vie pourra pas être supérieure à 100. C'est ça en gros. C'est bien fait, effectivement, c'est bien fait. Voilà. Donc du coup, voilà, si c'est moi ça, je vais mettre 1. Voilà. Laisser vide pour aucune barre. Voilà, donc en gros, c'est si on veut mettre une barre. Je pense par exemple, si on veut mettre 80 sur 100, c'est-à-dire qu'il y aura une petite barre, on verra ça après, mais en gros, il y aura une petite partie qui est entamée parce qu'on a perdu un peu des points de vie. Alors, des auras. Ok. Square chatbox. Add the numerical value. Donc, qui ajoute un nombre. Donc, try heading a foot. On va être un truc de 10 pieds, du coup. Ça, je pense que c'est pour la taille d'un truc. Ok. Et du coup, là, il a une putain de barre de vie. En gros, voilà, il a 80 sur... C'est ça ? 80 sur 100. Non, en gros, ça, sa barre de vie, elle est là. Ici, on la voit un petit peu. Mais par contre, j'ai merdé sur ça, du coup. Attends, je sais plus ce qu'il... Bon, je vais mettre rien, du coup. Voilà, save chance. Voilà. Et du coup, là, on voit qu'il a sa petite barre de vie qui est un peu entamée. Ok, du coup, on peut voir le nom du token, c'est ça ? Alors du coup, attends, parce que mes tokens, moi, je voulais wear. C'est pas grave. Alors, l'instrument de mesure va te permettre de déterminer les distances. Ah, il y a un instrument de mesure. Alors ça va être hyper important parce que, notamment, je ne vous en parle pas trop, mais dans mes règles, parce que du coup, il y a des règles, j'ai pensé à un système par rapport aux distances, ce qui pourrait m'être très utile. Donc voilà. En gros, ça va permettre de... ça, en gros, c'est des pieds. Ok. Ok. You can check the distance how far the token has been moved. Ok. Quand tu bouges un token, avec la select tool, tu peux utiliser la... Ok. Ok, donc là, en gros, j'ai fait 23 pieds en le bougeant. Ok. Ok, très très bien. Ça, ça peut être cool parce que ça va beaucoup m'aider. Enfin, en tout cas, si tu veux imaginer qu'il y a un système de distance dans ton règle, ça peut être intéressant. Donc ça je prends tout à fait. Alors, le VTT, la table top est organisée en plusieurs couches. Donc ça, c'est pareil, c'est les couches, je pense. Ça, je peux le dégager. Alors oui, le dynamic lighting, en gros, ça veut dire, si vous voulez, que le personnage, les tokens vont dégager une certaine lumière. En fait, si vous voulez, ça va permettre d'afficher en temps réel. Par exemple, imagine que tu es dans une salle sombre, dans ton jeu, que la salle est toute noire. En gros, va y avoir, en fait, le personnage va avoir une aura lumineuse autour de lui qui va permettre en fait d'allumer la salle sur une petite zone, en gros. Et donc ça, c'est pareil, on se renseignera plus tard, mais ça peut nous être utile, notamment par exemple si on est dans un endroit où il y a besoin d'avoir de la lumière et que le personnage doit générer une certaine... en gros, ça permettra de définir la portée visuelle du personnage, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Tu vas faire ton jeu en live, pas tout, il y aura une partie en live et une partie qui sera un peu plus secrète de mon côté, où en gros, mon jeu, c'est-à-dire qu'une partie jeu... c'est-à-dire que le gros projet final, je ne vous le montrerai que quand j'aurai tout terminé. En revanche, les petites parties comme ça, en dehors de mon projet, ou des trucs qui délivrent pas trop de trucs sur le projet final, enfin qui donnent pas trop d'informations sur le projet final, là, ça je peux le faire avec vous, là il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est le but. Voilà. En gros, il y a les layers, etc. Tu peux ajouter un background, une tabletop. C'est ouf. Ah, c'est ça en gros qu'il faut que je mette. Voilà. Tu peux bouger sa taille. Le context menu that will allow you to set the map as the drawing flip reorder lays. En gros, il m'explique que voilà. Alors, nous avons activé du coup le GM info layer pour you. Donc en gros, le GM, le game master info player, le layer, pardon, ça veut dire qu'en gros, c'est ce que voit, c'est la vision que voit le MJ, donc le maître du jeu.
Donc c'est intéressant, par exemple tu veux mettre des notes pour toi-même mais que les gens ne verront pas. En gros, si tu veux mettre des ennemis cachés, comme ils disent, voilà, des stages cachés, des pièges, etc. quoi. Donc ça peut être très cool, notamment quand tu veux mettre des petits pièges, etc. pour les joueurs et que tu veux pas que les joueurs le voient, voilà. Locks in the gem map allowed, d'ailleurs, ok. Donc en gros, il y a des trucs qui sont bloqués quand t'es en mode d'ailleurs. Alors, la communication, il y a beaucoup beaucoup de trucs encore, je sais pas si on aura le temps de tout voir maintenant ou pas. Est-ce que ça vaut le coup pas de faire un deuxième épisode dessus? Je pense que oui, c'est pas impossible. Moi je serais pour, mais c'est-à-dire qu'après on aura plus le temps nous de jouer à autre chose, et c'est pas grave. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave, continuons pour l'instant. Sous la fin, on va aller très vite, on sait pas du tout. Alors, maintenant, il y a différentes façons de communiquer avec un joueur. Tu peux le pinguer. Donc tu fais un left click sur... Click on the location, left click on the VTT. C'est pas ça du tout. The circular ping is visible to all players in the circle on the map. Hold shift to ping. Can't hold shift and ping to focus the map. For all players, ping or shift ping anywhere on your map to continue. Ah, c'est que là je suis pas en mode couche d'info du MJ. Ah, ça marche pas. Je vous laisse, à plus. Bonne nuit Berachan. Tu vas être en développement mais les autres joueurs jouent. Écoute, pour l'instant on en parlera de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, je comprends toutes tes questions. Si je commence à y répondre, ça va être trop tard, mais en gros il y a des parties où je serai en mode maître du jeu, où du coup c'est moi qui déciderai du jeu, etc. Mais il y a d'autres parties où je vais évidemment essayer de laisser la main à d'autres gens et c'est moi qui jouerai à la place. Mais voilà, pour l'instant je suis en maître du jeu, quoi. Par contre, j'arrive pas du coup à faire le truc rêver la zone. Je comprends pas tout. Attends. J'arrive pas à faire un ping. Attends. Gem can't hold shift and ping to focus the map under area for all players rolling for focus. Je veux bien faire un ping, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais il veut pas. Attends, on a été où? Objet et pion. Alors là, c'est moi qui dois faire des conneries. Carte et background. Je veux pinguer. Là, je comprends pas comment ça marche. Il fait chaud, mais vous imaginez même pas à quel point. Attends. Teste l'autre shift. Ça étonnerait quand même, mais... Tester l'autre shift. C'est ça que je veux faire, c'est ça, voilà, merci. Cancel. Ah non, il veut pas cliquer. Dis donc, tu commences un peu à me faire chier, toi. Attends, j'ai dû rater un truc. Qu'est-ce que j'ai foutu? Révélé par zone, masqué zone. Turn order. Attends, je vais relancer la communication. You can ping on a location. A circular ping is visible to the player way up on the map. La couleur du ping match avec la couleur du joueur. Quand hold shift. Ah, c'est ça, ok, faut maintenir appuyé. En gros, faut maintenir appuyé. Ok. Ok, d'accord, faut maintenir appuyé. C'est pas du tout intuitif. En gros, faut maintenir appuyé, quoi. Ok. En gros, si t'appuies sur Shift, ça va permettre de... J'ai un tiers de bureau, je peux être 30... Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai un ventilateur moi aussi, mais je ne peux pas le mettre, en fait. Parce que sinon, ça fait du bruit dans le micro et c'est pas du tout agréable pour vous. Donc, en appuyant sur Z, sur la... Drawing will open the shadow box, allowing you to see your token at height resolution. Alors, attends. Gem, ok. To close the shadow box. Mais je la vois pas en fait, ta shadow box. T'es mignon, mon coco. Ok. Ah, ok, d'accord, ok. En fait, il n'y a que celui-là que je pouvais voir, quoi. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom, Sébastien.
Les voix et la vidéo sont les communications, enfin c'est la principale méthode de communication dans Roll20. Il y a différentes manières, machin, WebRTC technologie. Ça c'est la communication du coup vocale, etc. Donc en gros voilà, on verra plus tard. C'était pas super bien expliqué. Non, si, c'était expliqué en fait. Il y a marqué hold, hold, ça veut dire tenir en fait. C'est très simple. Salut, Nati. Turn on and the sound of other players in the game. Ok. Donc ça sera pour plus tard, la communication orale. Je pense que c'est dans les settings, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'aurai pas besoin, mais voilà. Alors, le texte chat, ce qu'en plus, je pense que pour beaucoup, enfin, on va principalement utiliser, enfin, quand je parlerai avec des gens, je serai principalement sur Discord, donc du coup, j'aurai pas besoin de l'outil de vocal de à moins qu'il, enfin, je sais pas s'il y a un outil vocal sur Roll20, mais en tout cas, il disait que c'était important d'avoir d'être en vocal. Il disait un truc qui permettait d'être en vocal, donc je sais pas si Roll20 a un truc pour ça, mais en tout cas c'est intéressant. Alors les textes de chat, donc en gros si tu veux écrire des trucs. Chat is persistent, donc il est permanent, du coup il ne disparaît pas. The link is the key to beat you in the game. Donc si tu kicks un player, ok. Il y a plein de manières de communiquer, tu peux parler en tant que game master ou en tant que joueur normal. Dans la chatbox, par défaut, tu vas. You will speak out of character. Ok. C'est quoi cette musique ça? C'est pas Kingdom Hearts? Si, c'est Kingdom Hearts ça. C'est Kingdom Hearts. C'est la ville de traverse. Excusez-moi. J'étale mes connaissances vidéoludiques, ça vous dérange? T'es là car tu t'ennuies ou t'es comme moi, tu adores les tutos. Ouais, très bien. Ouais, j'ai 41 minutes, ça va être un petit peu long. Alors, type slash em waves. Okay, em en gros, c'est si vous voulez, dans le langage HTML, em c'est en. Comment dire? C'est du. L'italique, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais. Em c'est italique. Donc là, on peut faire un slash whisper à quelqu'un, au Game Master. Donc là, c'est truc normal. Donc là, on peut mettre en tant que GM. Hello. Donc, when new players. Donc là, je parle au Game Master en disant hello à tous. Ok, très bien. Slash OOC, I love Roll 20. Ça fait quoi ça? D'accord. Je sais pas ce que ça a fait. J'ai pas lu. En fait, j'ai voulu taper directement. Tu as aussi, quand tu es Game Master, tu as des chats, commandes de chat exclusives. Desk as Emas. C'est quoi slash desk? Bonjour. D'accord. En gros, tu mets juste un texte comme ça. Ok. Ça c'est cool. En tout cas, si tu veux parler, si tu veux envoyer des messages textuels, etc., c'est plus simple. Alors, déjà, quand t'es en vocal, ça ne marche pas. Je sais que tu parles à Nati, Whisper. Slash this command. Voilà, en gros, ça a expliqué comme une description. Ok. Emas commence to quickly assume the identity of the character. Bonjour. D'accord. Tu peux utiliser un basic markdown. Ok. Cette musique me dit un truc aussi. C'est FF8, ok. C'est ce que je pensais. Hop. Roll slash roll. Donc ça c'est le lancer de dés. Ok. Attends, slash roll. Roll 1D. Non. 1D 20 plus 5. Ok, du coup, il y a le dé qui est lancé. Ok, bon, les dés, on verra ça plus tard, je pense. Bon, écoutez, je pense qu'on va terminer la partie texte chat. Et puis, alors, attends, du coup, on va faire les commandes. Slash gm roll. 1D20 plus. Mais l'histoire des dés, je vous expliquerai plus tard. Enfin, dans la deuxième partie, je pense qu'on va faire du coup une deuxième partie. Et puis, voilà, du coup, pour une compacte, un take advantage, un clean dice rolls can be used. 19 plus 5 égale 4. Ok. Tape, attaque. Attends. Incline, c'est normal. Unleash, c'est le reste.
Ok, en gros, c'est juste pour le chat, en gros, mais ça, à mon avis, ça, on verra ça plus tard, je pense, dans le sens où c'est un truc qu'on pourra voir directement en jeu, notamment quand on expérimentera le lancer de dés. Donc, j'essaie de pas m'approcher trop du micro pour pas que ça vous explose les oreilles. Mais voilà, attaque 9. En gros, c'est-à-dire que j'envoie un truc de dégâts attaque, ok. Bon, du coup, il y a pas mal de possibilités de trucs qu'on peut faire, dégâts d'attaque, machin et tout. Donc, enfin, on peut envoyer des trucs en tant que joueur, en tant que GM, on peut envoyer des messages privés, on peut lancer des dés, on peut mettre des trucs particuliers, enfin voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de ce tuto didacte sur Roll20. Du coup, on va faire une deuxième partie. Du coup, je pense que ce tuto sera composé en deux parties. Je pense que la prochaine fois, on aura quand même terminé. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais voilà. En gros, je préfère être sûr de pas rusher, de vous balancer ça comme ça. Je pense que c'est mieux de vous faire ça en deux parties. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et pour moi, voilà. Du coup, la deuxième partie, je pense, va arriver très très rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, je parle pour la rediff, hein, pour le live, ça sera, on va la tourner juste après, hein, bien sûr. Hein, pour la rediff, vous l'aurez dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci encore. Et puis, on se retrouve du coup très bientôt pour la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch, twitch.tv/zoldru pour ne pas rater les lives. Et de vous abonner sur Twitter pour ne pas rater aussi les annonces des lives. Du coup, Twitter Zoldru, tout simplement. Pouce bleu, commentaire, partage, évidemment, c'est très important. Et à bientôt pour la suite de notre tuto didacte sur Roll20. C'était Zoldru. Salut tout le monde!